Sixtine, c'est le mur, ça. Officielle à Kyoto, on va rencontrer une abonnée qui s'appelle Anne-Elisabeth, qui était sur Tokyo. Elle nous a proposé de, parce qu'elle adore Kyoto, de venir sur le week-end et pourquoi pas nous faire visiter. A few moments later. En fait, on est monté dans le mauvais bus, on l'a fait s'arrêter en plein carrefour pour monter dedans et pour finalement se rendre compte que c'était pas le bon et redescendre. C'est un peu caca, hein. On est sorti du bus. Par là, suivons le doigt magique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'aller où? Ah mais non. Bon, on tente de pas se perdre et on visite de beaux petits trucs en attendant. On a un peu explosé. Je vous avoue que j'ai l'impression que je fais un vlog sous LSD là. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Ici, il y a plein de distributeurs. Ça me fait vraiment penser aux potions et aux lémonades dans Pokémon. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah, classé distingué là, Inès. D'accord, je m'y attendais pas du tout, il est arrivé silencieusement derrière moi. C'est qui a piqué mes croquettes? C'est qui a piqué mes croquettes? Je pense que le plus gros choc quand je suis au Japon, genre quand t'es en Corée, oui, tu vois des touristes, mais t'en as pas. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Si vous aussi vous vous demandez ce que c'est une structure en sable. Et donc je suis tellement choquée de me dire qu'en fait ils ont réussi à faire tenir ça sans tout écrouler. Je pense que je vais revenir prendre des pots ici. Parce qu'apparemment ils ont vraiment une bonne technique pour faire tenir les grains de sable. On dirait du crépi. J'ai envie de mettre mon pied pour voir si ça prend la marque. Regardez, c'est une flûte traditionnelle. Oh, mais c'est quoi qui me tombe dessus là? Regardez, j'ai une chenille. Elle m'est tombée dessus, telle un pétale de rose. J'espère que c'est pas un bébé mitadé. Oui, on va éviter. Ah, de l'argent. Papy balai, prenez garde. Est-ce qu'il y a une feuille? Moi, je la chasse. C'est si beau. Elle va se prendre l'arbre, elle va se prendre l'arbre, elle va s'arrêter. Oh bravo! On dirait les mauvaises herbes dans Animal Crossing. C'est un serpent. Tu sais à quoi ça me fait penser? À quoi? Harry Potter. Ouais, j'écoutais déjà en vers speak. Et on va dans les Je suis étonnée, c'est une Renault. On a vu que deux voitures françaises depuis qu'on est arrivé, là c'est la troisième. Parce qu'il y a pire, je crois que c'est à Kyoto qu'il y a une voiture de la poste française qui se balade. Et c'est un japonais qui l'a dit. Et c'est un magasin libre-service. Donc en fait tu poses ta monnaie dans la petite boîte, c'est incroyable. Alors là on est où exactement? On est au Kiyomizu-dera. Est-ce que vous avez déjà goûté les Nutella chips dans le gros? Moi j'adore, c'est vraiment ma drogue. Et il y a des gens, c'est genre, oh non, ils sont dégueulasses. Et c'est à quoi exactement genre? C'est indescriptible. J'ai vraiment l'impression que c'est juste des brochettes teriyaki. Donc c'était super bon. C'est Miyoji Dango. Ah ouais, c'est magnifique. Le but du jeu c'est de toucher cette pierre, fermer les yeux et marcher jusqu'à l'autre. Si tu y arrives sans être touché et que tu trouves l'autre pierre quoi, ça veut dire que tu auras de la bonne chance en amour. Presque, presque, presque. Moi je le fais pas en fait parce que c'est en mode si tu y arrives pas, ça veut dire que tu vas mettre du temps à trouver l'amour. Bon, on s'en fout, nous on l'attend depuis si longtemps. Allez, j'ai peur. Ah, déjà tu te perds. Mais si je te touche, ça casse le truc. Mais t'es...
Pourquoi je suis allée là? Je vous jure que je suivais une ligne. Mais je t'ai dit, genre, tu pars ailleurs là et. Je veux le refaire, bah les couilles. Je marche droit là, rassure-moi. Plus ou moins. C'est déjà mieux. T'inquiète, je suis là, t'es dans le noir, t'as juste fermé les yeux. Encore gauche, gauche, voilà, t'y es. C'est la pierre ça? C'est pas la pierre. Mais... Si, c'est ça? C'est la pierre! Vous foutez de ma gueule, c'est pas la pierre, tu croyais que c'était quoi? Je suis allée vite, c'est pour ça. Non, mais si, ça va être en plein milieu, lui, il va pas le faire. Je vais te dire, attends, continue, et dès qu'ils sont devant. Si je le touche, c'est mon mari. D'accord. Il va pas se pousser, hein. Il veut vraiment être mon mari. tout droit, vas-y, tout droit. Check de pierre, regarde ta technique. Je t'aime bien, toi. Tu mets la pièce, tu appelles les bureaux pour le. Ok. Ah, tu fais après le traditionnel que tu as dans les mains. Attendez, je veux le faire. Okay. Non, mais regarde-moi cette pigeonne. Oui, mais moi je trouve ça génial comme ça. Moi, ça peut être n'importe quelle pièce. Oh, c'est 100 yens. C'est vraiment comme tu veux. Au coup, tu mets, je mets un billet 10 000, ça va être mieux. Mais tu sais quoi, c'est un yen. Hein. Comme ça. Ouais, mais c'est un vœu aussi. Et le vœu, je peux plus le faire après. Parce que Inès a gratté sa piqûre de moustique et pisse le sang. Et cette position, si légendaire. C'est trop gentil. Mais c'est fou comme on dirait une capote. C'est du désinfectant. Une capote où tu sais ce qu'on met dans les ramen avant de. Ah oui. Je veux pas, non, je veux pas le plastique, non. Non mais les gars, je vous jure que c'est magnifique. À Kyoto, tous les bâtiments sont bas. Ouais. Parce qu'il y a un. En fait, ils n'ont pas le droit de construire plus haut qu'une certaine hauteur. Bah en fait ça, Anne vient de nous apprendre, c'est pas du tout un truc traditionnel où il y a marqué des trucs de ouf. Je dis pas, viens je vais me faire tatouer ce qui est écrit sur le... Non, tu fais là. En fait c'est des marques qui payent pour avoir les petits lampions qui sont là et pour être affichés. À force de secouer ces pauvres cloches, elles vont avoir tout le malheur du monde dessus. Tu as un peu de la gueule de monde. Et tu laisses pas ton enfant faire ça. Later. Comment t'arrives à monter dessus? Non, Inès, c'est très très chelou. D'accord, allez, on abandonne. Sixteen, c'est le mur, ça. Ok. Elle a pris la rue qui monte. Eh, hey, mais hey, t'es bien là, hein, on dirait une professionnelle. Mais elle est où la blonde? Elle est coutante. Elle est coutante. Nous, on est à pied. Ils ont laissé les deux arabes. Hein? Non, je rigole. C'est tellement posé. Là par contre j'ai archi peur pour eux là, maman regarde comment ils vont faire pour tourner. Eh hey, faites gaffe quand vous tournez hein. Faites gaffe, mais c'est Miss France Romain. Fais attention Sixteen quand tu tournes. Il y a juste une chose qui me perturbe ici, c'est pas eux. C'est l'odeur de caca un peu. Je sens pas l'odeur de caca. C'est l'odeur de la brochette. Non c'est pas la brochette. Je suis passé dans ce magasin et ça sentait le caca très très fort. Ah. Dis tout ce que t'as envie de lui faire à la caméra. Il m'énerve, je vais l'éclater par terre. Je remets, je lui dis c'est pas le bon côté. Il m'a regardé. Il m'a regardé. T'as tellement de mauvaises ondes, ça fait en noir. Je vais l'éclater. Regarde ça, vois dans les yeux et ose être encore énervé. J'ai envie de lui foutre dans le cul. Ah bah non. On s'est posé dans un petit restaurant. Regardez ça. Et donc c'est bon, j'ai pu acheter mon déo. Bah Inès. Qu'elle dit? Je comprends pas, il y a encore un gant. En Asie, ils passent leur temps à perdre leurs gants. Il y a toujours des gants partout, abandonnés par terre. Et vous allez pas me dire que ça a pas une gueule de barrette de shit? Je sais pas quoi ça ressemble. C'est ça, c'est ça, c'est comme ça. Une barrette, moi ça se met sur la tête. Tu dis shit? Tu fais des bon. Tout vulgarisé. Bon shit sans mère. Et ça? Ça c'est des couilles. On cherche la solution pour sortir d'ici. Je voulais faire un plan stylé mais ça n'a pas rendu du tout. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. Les tchatchers. Je raconte ma vie. C'est beaucoup trop chou. On dirait dans la Reine des Neiges. Je me sentirais tellement mal à faire ça. Il y a un vendeur qui a dit, qui m'a regardé, qui a fait Iti. Ah, j'allais prendre un petit papier pour savoir ton futur amoureux. Et le truc il a fermé. Tu veux pas savoir Inès. They see me rolling. Il y a des chats. Il y a des chats.
Il y a des chats. Alors en fait tout ce qu'il y a là-dessus, c'est pas du tout des trucs super traditionnux, c'est des marques. Eau de savon.